Je vais mettre le 2 de pique avec lui tout de suite.
ici. Ce serait bien que j'ai l'as de carreau parce que je vois ça, ça et ça. Ce serait pas mal. 3 de cœur. Bon, alors j'ai l'as de cœur, mais c'était pas celui-là que j'attendais. 4 de trèfle. Alors je vais le mettre ici en attendant pour décaler le 3 de carreau et pouvoir voir ici que nous avons la dame de cœur. Je m'en rappelle plus, là il y a une carte, là il y en a deux. Bon, ben, on va décaler celui-ci en espérant que ça ne nous joue pas des tours pour révéler ici ce qu'il y a. Le 5 de trèfle. Alors je vais le poser en attendant là-bas. 7 de carreau. Ben, je ne suis pas bien avancé avec lui. 2 de cœur. On va le mettre là. Et le 3 de cœur. Avec lui. Hop, ça nous débarrasse un peu. Ah, l'as de carreau. Je peux le poser là. Mettre avec le 2 de carreau. Le 3 de carreau. Et le 4 de carreau. Ouh, trop bien. Et là, attendez, j'ai une place vide. Donc je peux décaler ce roi. Qu'est-ce que nous avons avec? Je peux pas l'utiliser tout de suite. 8 de carreau. Non. 4 de cœur. Je peux le mettre là-haut. As de trèfle. Bah dis donc, on a tous les as, donc ça c'est nickel. On pourra donc s'en servir après. 10 de cœur. Je peux le mettre avec le valet de pique. 3 de trèfle. Je retourne ainsi le 9 de trèfle.
J'ai gagné. Ouais. Trop cool. J'ai gagné du premier coup. Je suis trop contente. Alors, j'en profite pour demander si je joue au solitaire ni mode normal. Quand on pioche les cartes, je sais qu'on doit piocher trois cartes d'un coup, comme ça. On peut accéder celle-ci. Est-ce que si je veux prendre celle-là, est-ce que après ça me fait ça et je peux prendre celle-là? Ou est-ce que automatiquement la carte d'après dans la pioche se met et il faut faire comme ça? Je demande au cas où, pour savoir pour les prochaines fois. Désolée, j'étais pas trop centrée. J'avais pas fait gaffe que l'appareil voudrait être aussi. N'hésitez pas à me dire, est-ce que c'était laquelle des propositions là que j'ai fait était la bonne, est-ce que c'était celle carte cachée derrière systématiquement ou pas. En tout cas, ça m'a fait du bien de faire cette petite partie de solitaire ce soir avec vous. J'espère que ça vous a plu. Vous savez que comme toujours, je vous retrouve quasiment tous les jours sur cette chaîne avec de nouvelles vidéos. Et le mercredi, je poste des nouvelles vidéos sur ma chaîne secondaire. Des fois, il y a des vidéos qui contiennent un peu de bruit de cartes. Notamment, je pense aux vidéos multi-déclencheurs. Mais c'est pas systématique. J'essaye de varier un petit peu le type de vidéo que je fais. J'aime bien les vidéos de solitaire, donc j'aime bien en faire quand même régulièrement. Voilà. Bon, et bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Une prochaine vidéo.